Radio BS. Votre première web radio. Budget Sud. Je suis programmateur du festival du Petit Théâtre 1603. Et je suis aussi comédien et metteur en scène. C'est notre quatrième édition du festival. C'est un festival qui se déroule sur deux week-ends. Donc là, c'est la quatrième édition, ça commence à être connu, donc ça fonctionne de mieux en mieux. Votre voyage vers la frontière. Alors, vous voyez qu'on est sur une frontière. Oh ben, à ce poste de frontière ici. Mais oui, d'accord. Pour choisir les artistes, nous, on a une ligne directrice, on essaye de s'intéresser à tout. On est très sensible à des artistes qui vont promouvoir un peu l'idée de la culture du monde. Il n'y a que des terres brûlées où un frère cherche un frère. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais été cambriolé. Typiquement, ce soir, c'était de 7 à Yaoundé. Donc chaque année, on essaye d'avoir un groupe un peu qui vient d'ailleurs. On a aussi beaucoup de chansons françaises, parce qu'on ressent que le public aime beaucoup ça. Beaucoup de spectacles pour enfants. Et après, on essaye aussi d'avoir des spectacles un peu plus audacieux. Voilà, des spectacles politiques, des spectacles documentaires. En Margot, lui, la fesse encore sage, pour donner la goutte à son chat. Tous les gars du village, et des la 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 et des la. Mouvons pour des idées, d'accord, même en lente, d'accord. Alors on est 6 bénévoles, comité de 6 personnes à être bien ancrés dans l'organisation, quoi. Donc entre la programmation, la communication qui est un gros travail aussi, justement des finances, les prévisions financières aussi, et puis après toute la logistique de la buvette et tout ça, parce que ça c'est un gros travail, c'est aussi dans la philosophie du festival, on tient à ce qu'on ait des produits locaux, de la bonne cuisine, des bonnes boissons, enfin la bière elle est de Saint-Julien, le jus de pomme il est de Cercier, donc c'est un petit village près de Saint-Julien, donc voilà, donc ça aussi c'est un gros travail, et pour tout ça on est 6 personnes, après il y a tous les bénévoles, on tourne en 10 et 15 personnes. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille. Sans souci du qu'en dira-t-on. Avec un pudeur c'est comme elle, leur n'est même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de non mévisser. Tout à coup la prison bien close où vivait le bel. Radio BS. Votre première web radio. Budget Sud.